Dans la vidéo d'aujourd'hui, en fait, ce qu'on va faire, on va réparer une erreur. Parce que dans le fond, c'est ça, là. L'hiver passé, j'avais fait un vernissage dans une galerie d'art, puis tout, puis il y avait une photographe qui était venue faire les photos pour moi, puis on avait parlé d'un projet. En échange, je faisais un projet pour elle de luminaire pour sa cuisine, tu sais, puis c'était comme. Fallait faire un luminaire avec une roue d'auto, en fait, puis c'était comme avec du métal, puis tout. Puis là, j'avais regardé avec mon gars de métal, on avait commencé à faire des. Et on avait commencé à travailler là-dessus, puis finalement, avec la roue, ça fonctionnait pas, là, ça marchait pas. Puis là, ben c'est ça, là. C'était comme tomber dans l'oubli un peu, si on veut, là. Tu sais, puis. Là, c'est ça, vendredi passé, elle m'a écrit. Elle dit qu'elle voudrait avoir des nouvelles de ça, tu sais, puis de où ce que. Puis de savoir si je le faisais toujours, tu sais, puis. Elle était comme pas contente un peu, tu sais, puis c'est normal, là, parce que, tu sais, dans le fond, j'ai comme. J'avais envoyé ça à mon gars de métal, c'est resté là, tu sais, puis c'est comme. C'est tombé dans l'oubli. Comme j'ai dit, ça deux fois, je le répète, puis. En tout cas. Fait que là, c'est ça, matin, j'ai pris le temps d'y écrire un message comme quoi, que, tu sais, j'allais. On pourrait le faire en bois, ce serait plus simple, tu sais, puis j'ai regardé avec elle, dans le fond, c'est ça, là, si j'avais la chance de me rattraper, tu sais, parce que dans le fond, c'est ça, là, c'est jamais bon, là, mais en tout cas, pour moi, là, de pas réussir à atteindre mes objectifs, que j'ai des promesses que j'ai faites avec quelqu'un, mais c'est quoi qui est très dommageable pour moi moralement, tu sais, je trouve ça important de réparer cette erreur-là, tu sais, puis. Pour de vrai, sérieux, j'avais pas le goût de parler de ça matin, là, mais je pense que j'avais pas le choix de le faire, t'sais, ça fait partie de ma journée, tu sais, puis ça arrive des fois de faire des erreurs, tu sais, puis l'important c'est de les réparer, tu sais. Je vous invite à rester jusqu'à la fin du vidéo pour voir quelle leçon j'en ai tiré de cette expérience-là. C'est ça. Fait que là, on est en route pour l'atelier, puis c'est ça. Ma prédiction que j'avais dans le fond d'avoir plus de contrats dans le fond à partir de cette semaine pour par rapport aux vacances de construction puis tout était fondé parce que ce matin j'ai eu la possibilité de faire deux approches là, pour des futurs contrats en fait. Il y a une bibliothèque sur mesure qui était à faire, que j'ai trouvé comme contrat. Et puis aussi une compagnie qui fait des rasoirs comme des produits pour la barbe québécois puis qui veulent les fabriquer des peignes au Québec. Dans le fond, avec des produits québécois là. Fait que. Les approcher les deux, on va voir qu'est-ce qu'il va s'en dire de tout ça là. Fait que là, c'est ça, on avance sur le luminaire que je viens vous montrer dans le fond à l'écran. Puis là, dans le fond, c'est ça là. En faisant le luminaire, en fait, j'ai eu des restants comme ça de métal là. Fait que là, étant donné que je veux bâtir une entreprise qui est de plus en plus consciente de l'environnement et tout. Ben, au lieu de mettre ça dans les poubelles, je vais aller porter ça au métal directement. Dans le fond, j'ai une place là, qui récupère le métal à côté de chez nous. Là, fait qu'on va aller porter ça pour que ça se fasse récupérer convenablement, tu sais, puis que ça aille aux bonnes places directement. Bon, fait que là, on passe à la route. On s'en va chercher des mesures pour prendre des mesures, dans le fond, pour créer des tablettes. Des tablettes flottantes, là, des floating shelf en anglais. Ça se dit mieux, là. Mais c'est ça, c'est des tablettes qui n'ont pas de support en dessous, rien. C'est comme caché, là. Fait qu'on ça va prendre les mesures de ça, après ça, on va faire un beau petit dessin 3D avec ça pour montrer ça à la cliente, puis essayer de chercher le contour de ça, là. Fait que c'est ça, dans le fond, là. J'ai terminé mon dessin 3D pour les tablettes, puis là, c'est ça, là. Dans le fond, comme que j'espérais. c'est ça, les clients sont au rendez-vous. Dans le fond, j'ai comme plein de comme j'expliquais tantôt, j'ai comme plein de demandes dans le fond là, pour des contrats. Puis tout, ça a comme rentré aujourd'hui, tu sais, ça a comme tout débloqué. Fait que je sais pas si c'est par rapport aux vacances ou tout ça, mais en tout cas, c'est ça. Là, demain, on s'en va livrer justement l'établi qu'on a transformé en bureau. Puis là, c'est ça, je voulais vous parler aussi de la petite leçon que j'ai tirée dans le fond de l'histoire ce matin, là, quand je vous ai dit d'attendre jusqu'à la fin là, pour. Savoir c'est quoi la leçon que j'avais tirée. Ben là, dans le fond, là, en gros, la leçon que j'ai tirée, c'est que c'est toujours important là, de faire des suivis de tout ce qui se passe, tu sais. Puis des fois, j'ai tendance à oublier du monde là-dedans. Puis là, ce qui arrive dans ce temps-là, c'est que quand j'oublie du monde, je me sens mal. Puis là, c'est après ça, là, c'est comme je sais plus jamais comment sortir de ce cycle-là, tu sais. Puis c'est un défi constant pour moi, pareil, tu sais. Puis des fois, c'est comme. Puis, tu sais, dans le fond, c'est ça, c'est que ça m'a amené un matin à me taper sur la tête au point, tu sais, que je me sentais comme pas bon, tu sais, puis que j'avais pas le droit de faire des erreurs, tu sais, puis
La réalité, là, tu sais, c'est que oui, j'ai pas le droit de faire des erreurs en temps normal, mais tu sais, j'ai pas besoin d'être parfait, tu sais, je suis pas Dieu, je suis pas ci, je suis pas ça, je peux en faire des erreurs, tu sais. Mais c'est des assumer, puis comment je dirais ça, de travailler avec ça, tu sais, d'avancer avec ça. Puis c'est quelque chose qui est comme difficile à faire des fois, là, avec l'ego pis tout, là, fait que... Mais, en tout cas, une leçon à la fois, je vais bien finir par passer au travers de tout ça. Puis ben là-dessus, regarde, on finit l'épisode d'aujourd'hui. Je vais aller me reposer, je vais aller finir de... Pas me reposer, je vais aller finir de gérer mes courriels là, que j'ai reçus, puis tout, faire des retours là-dessus, puis avancer dans mes projets, tu sais. Puis après ça, ben j'irai faire un petit dodo, puis préparer pour demain. Fait qu'oubliez pas que je vous aime, puis je vous dis à bientôt dans notre prochain épisode. Bye! Walking home straight, but not alright.